Bientôt là, événement aux Anas. Toi, t'es venu parce que emplacement logistique, parce que bah, elle venait ce soir. Installation en haut. On dit en place, c'est la musique, tapis en haut, tout le monde. C'est un événement purement culturel entre mode, art, musique, céramique et tout. Voilà, encore une fois, merci. L'artiste est là, l'artiste est visuel présent. À chaque fois, nous devons la petite affaire. Ciao. La femme de valeur, c'est une femme qui se respecte, c'est une femme de dignité, c'est une femme qui excelle dans les domaines, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la musique, dans les théâtres, dans la mode. Et voilà, donc la femme joue un rôle très important, un rôle indispensable dans la société. Vous voyez, donc aujourd'hui, nous aurons des artistes qui vont prester, les dames, qui vont prester juste pour célébrer cette deuxième édition de Moissy Yaktan. Vous allez bien? Alors, quelles sont tes impressions? Tu participes aujourd'hui dans la deuxième édition Moissy Yaktan, Femme de Valeur. Bonsoir à tous. Oui, je suis l'artiste visuel, Jocelyne O'Hara, artiste professionnel congolais. Je suis là devant vous avec beaucoup d'impressions, défendre la femme. Pour moi, c'est un honneur. Quand j'ai reçu une invitation, j'ai dit bon, je vais vraiment se battre et travailler jour et nuit avec mon équipe. J'aimerais que je suis avec le curateur Blaise Moïse, peut-être une petite annonce avant que je commence à sticker les œuvres et la philosophie de l'art. Donc, le curateur est là, s'il te plaît. Oui, oui. Bonsoir à tous. Je vais pouvoir présenter l'artiste Luanga Josephine. Monsieur Luanga, c'est un artiste visuel. Il est né à Kinshasa. Il évolue à Kinshasa. Il est beaucoup très remarqué dans le monde de l'art plastique congolais. À part ça, il est le fondateur et aussi le directeur général du Centre de recherche à Kimbangu. Il est membre de la Fondation Marine et aussi ambassadeur itinérant de la Commission des droits de l'homme Women Wallace. Donc, Luanga, c'est une figure qui est très remarquée dans le monde de l'art congolais. Et nous allons ce soir profiter de l'occasion à visiter ou encore à interpréter quelques œuvres de Luanga. Parce qu'il sera là, il pourra donner des explications nécessaires à toutes ces œuvres. Il est disposé, explications comme je l'ai dit. Je pense que ça sera une grande joie pour nous tous. Merci beaucoup. Bien, je vais commencer par ici. Ici, j'ai intitulé l'accueil. Un jour, j'étais à Abidjan, à Côte d'Ivoire, pour faire une exposition solo à l'hôtel des districts d'Abidjan. Et je vis des mamans abidjanais à Bobo. L'accueil, c'était chaleuré. Bon, quand j'ai entendu qu'ici, il y a des Ivoiriennes, j'ai dit, bon, je vais aussi réaliser une œuvre comme ça, que j'ai honoré la femme. Et je dis que l'accueil, soyez les bienvenus vous tous, réunissons-nous pour la cause noble. Voilà cette œuvre que j'ai intitulée l'accueil. Ici vous voyez l'Afrique et le monde et ivoirienne et les arbres, on dit que c'est la florissante, donc l'avenir et la projection. Je dis que merci à la dame ivoirienne. C'est la première sculpture que je réalisais en l'an 2020. J'ai pris beaucoup de temps de réflexion, de voir l'Afrique dans ma manière. Et la grande dame que vous voyez avec la tête à l'aluminium et une draperie en doré,
Et il y a quatre familles, des enfants qui sont en train de sucer la mamelle. Et il y a une autre qui est un peu déséquilibrée, qui est en train de prendre élan de développement. On voit l'Europe, l'Amérique et l'Asie, même l'Australie. Pour moi, il faut aider l'Afrique. Je dis merci aussi à la Belgique, honorer la femme comme Maman Moulou. La femme est résistante. On a vu des grandes dames lutter pour la cause noble. Voilà, au nom de la femme, j'ai dédié cette œuvre à l'humanité. Et je suis vraiment au cœur avec vous, de femmes. Je suis marié, père, trois enfants, j'ai une fille. Ma femme est là. Et pour moi, si je suis bien habillé comme ça, ou bien être en forme, comme on dit chez nous les Africains, Boutou et Pesaka Litoï, conseil, dans la nuit porte un conseil, conseil à une femme. Notre pays ici, on voulait développer plus rapide. Et pour aider aussi le monde, il faut penser à la femme. Voilà, avec l'honneur que je suis devant vous, je ne pouvais pas monopoliser la parole, il y a beaucoup d'œuvres. Si vous pouvez applaudir, c'est pour cette œuvre. La perspective de voir les choses. Mais il y a une explosion. Si on voit une femme et l'Afrique, et l'œuvre, une masque Mwanampo, masque Tchokwe, si vous êtes congolais, vous la connaissez, mais si vous n'êtes pas congolais, je peux vous aider rapidement. Voilà. C'est ici l'emblème de notre monnaie, 50 francs. J'ai l'honneur de présenter ma culture à travers ce tableau qu'on dit aujourd'hui, si on peut développer le monde, il faut penser à la femme. Il y a de belles paroles, il y a une pensée, il y a un adage aussi qui dit que diriger une femme, c'est diriger toute la nation. Donc je suis très honoré. Dans mon vie que je travaillais, j'ai plus de 800 œuvres dans ma collection, dans mon musée à Maïchapa, à Royal. J'ai 500 œuvres dans que je parle. Les femmes, les hommes, vous pouvez m'exciser, mais c'est j'ai l'honneur de la. Quand je discutais avec mon frère, l'organisateur, j'ai dit, ouais, quelle coïncidence, moi j'ai préparé cette exposition pendant 3 ans, je vais exposer à Lausanne, et j'ai dit, non, je vais amener toutes les œuvres devant vous, et cette œuvre, c'est un chef-d'œuvre, et après la présentation, il y aura vente aux achats, si quelqu'un s'intéresse, peut-être vous proposer, bien sûr, mais ça, c'est pas vente, c'est pour moi, je vais collectionner pour l'avenir des centres de recherche là, de l'homme. Je vous remercie pour votre attention. Sculpture de 3 mètres d'auteur. J'ai taillé pendant 3 ans avec mes coéquipiers, mais c'est déjà pas, il y a beaucoup de gens qui m'ont taillé. Mais c'est facile pour se transporter là, à une seule voix. Voilà, là, je vous remercie. Voilà, voilà, c'est bon. Voilà, ça fait 4400 ans d'Afrique. Dominé, aliéné. Aujourd'hui, nous avons abandonné notre propre culture. Oui, bien sûr, s'attacher à la culture occidentale, c'est bien. Mais il faut que, en ces salles, si on peut retenir que 22 000 avant Jésus-Christ, c'est l'homme africain qui a inventé les mathématiques la plus ancienne lorsqu'il change. Si vous allez au terrain, vous verrez. Donc nous sommes le premier des caillards qu'on a inventé tout sauf rien. Et aujourd'hui, 4400 ans, si vous voulez, on voulait casser ça. Esclavagisme. Esclavagisme spirituel, esclavagisme au Kikon. Quand je dis au Kikon, c'est on est au quitté sur le plan culturel. Aidez-nous. Parce que c'est la vieille continent d'Afrique qui réclame, grâce au pouvoir de Zambiabou, la boussole, et Tata Kimbangu va évader. Parce qu'en 1920, aujourd'hui, en 2021, il y aura 100 ans centenaire de l'année africaine. Qu'est-ce qu'on va retenir? Il faut briser ces chaînes. On veut être ensemble avec les Européens, ce sont nos frères. Les Asiates, ce sont nos frères.
réunissons-nous ensemble pour amener notre beau pays, quand je dis pays, c'est la globe, la planète, aller en avant. Mais il ne faut pas oublier, c'est la femme. Voilà un peu cette œuvre. J'ai travaillé pendant 3 ans. Il y a plusieurs supports que j'ai utilisés. Il y a la bronze, toute la richesse d'icônes que j'ai mis ça ici. Il y a l'œil de tigre, il y a la date, il y a même l'or que j'ai caché ici. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre que si je t'ai exposé ça, il y aura une exposition, une tournée européenne et américaine et asiatique. Pour moi, qu'on va réunir tous ensemble pour bâtir notre monde plus beau qu'avant. Merci. Chaque domaine, 3 nominés. Et le jury est là pour faire sortir la lauréate. Et je rappelle, la lauréate a droit à un diplôme d'excellence et un trophée et plusieurs cadeaux. Parce que maman Moulou, moi c'est atteint le centenaire, oui, sa divinité, il a fait ça bien pour nous tous les deux, tata Simon qui m'a mouti en gagne, moi dans Vélé la moto, pour sa magma pesanteur, il a vint pour nous, voir la loulende. Je suis très impressionnée par nos artistes. Je savais qu'il y en avait, mais en tout cas, monsieur nous a vraiment épaté. Surtout l'œuvre où il y a les chaînes des esclaves qui montrent d'où on vient et où est-ce qu'on va. Et il nous a parlé de libérer, nous, les Congolais. Il a compris le concept et je suis tellement contente parce qu'il a réussi à le transmettre et nous, on a compris. Donc, c'est un vrai artiste. Bravo à lui. Bon, en fait, pour moi, d'abord, c'est d'abord une surprise pour moi. Et j'ai juste reçu un appel, on m'a dit voilà, vous venez, on vous est invité à la soirée d'aujourd'hui. Bon, je ne m'attendais pas à obtenir un prix ou quoi. L'année passée, j'ai suivi à la télé et cette année, c'est une fierté pour moi de me retrouver parmi ces dames. Comme ils ont eu à enquêter sur toutes les dames, sur tous ceux qui exercent un métier quelconque, alors si je me retrouve parmi ces dames-là, alors je suis fière d'être retenue parmi les moins si à table. Je trouve que c'est un grand artiste. C'est un grand artiste, ce sont des œuvres d'abord très différentes, il a des talents très différents. Ce sont des œuvres de très grande puissance et qui témoignent d'une prise de parole très importante qui doit être écoutée.